Nous vous demandons de nous suivre au commissariat. Vous suivez au commissariat pourquoi? Une plainte a été déposée contre vous pour escroquerie. Quoi? Escroquerie? Moi avant mon escroc? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Apparemment, c'est un règlement de compte. Règlement de compte de qui? Elle a fait quoi? Il s'agit juste d'une intimidation. Pour qu'elle remette les 500 000 francs qu'elle doit à mademoiselle Mbella. Mbella? Oui, Mbella. Sa sœur là, c'est une sorcière diplômée en sorcellerie de haut niveau. Comment tu as pu faire arrêter ta mère? Ta mère Mbella? C'est elle qui a commencé, elle a brûlé mes choses. Ça ne te donne pas le droit, madame. Et tu oses me mêler à ça? Moi, je passe maintenant pour être méchante devant ta mère. Si c'est ça qui te dérange, je ne pense pas qu'elle le sache. Hey, tu vas où là? Hein? Evie, tu te calmes. Laisse-moi. Tu ne vois pas que mamie Jacques est là? Calme-toi, Evie. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi pour le dérangement. On a dit que vous devez libérer la chambre à 12h. Comment ça? Monsieur Ngando a payé. C'est lui qui a demandé que vous libérez. Merde, il doit vraiment être fâché. Ok, il est quelle heure? 11h madame. D'accord, je vais libérer. Merci madame. Bonjour, Monsieur Ngando. Oui, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens sincèrement à m'excuser par rapport à l'incident qui s'est produit avec votre mère. Votre soeur ne m'avait pas dit que c'était elle qui voulait faire arrêter. Donc si ce n'était pas ma mère, il n'y aurait pas eu de problème. Je n'étais au courant de rien. Elle ne m'avait pas très bien expliqué. Mais vous avez quand même donné l'ordre de l'arrêter. Je suis désolé. Vous êtes marié? Oui, mais je m'apprête à divorcer. Mais vous sortez déjà avec ma sœur. C'est justement pour l'épouser que je vais divorcer. Et demain, vous divorcerez d'elle pour épouser une autre femme? Non, je l'aime. Oui. Tout comme vous aimiez votre femme quand vous l'avez épousée. Écoutez, je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Je ne suis pas venue ici pour vous juger. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai voulu vous rencontrer. De toutes les façons, ça fait des mois que je demande à vous rencontrer. Écoutez-moi très bien, Monsieur Ngando. Je n'ai rien contre vous. Mais je vous demande de faire attention avec ma sœur. Ne lui faites pas de mal, mais protégez-vous aussi. Et si vous voulez mon avis, réfléchissez bien avant de quitter votre femme. Bonne journée. Coucou mon chou, ça va? Bonjour. Tu es où depuis? Tu as dormi où? Ah, s'il te plaît, ne commence pas avec tes questions, s'il te plaît. Dis-moi plutôt, est-ce que tu peux m'aider à changer la serrure de la porte? Pourquoi? Je dis pas de questions, chou. Fais juste ce que je te dis. Tu es sûr que je vais pas avoir des problèmes avec ta maman? Ouais, le gars, si. Comment tu fais souvent comme une femme comme ça, non? Ah. Invite-le ici. Je veux le rencontrer. Tôt comme ça, maman. J'ai tellement attendu ça. Comment? Ça va, et toi-même? Je suis là. Je pensais à mamie Jacques quand j'étais en route.
Heureusement qu'on ne lui a pas dit que c'est Mbela qui l'a fait enfermer. Elle aurait peut-être eu une attaque. Maman, est-ce que ça va? Ça va bien. J'ai juste perdu un peu connaissance. Maman, allons à l'hôpital, s'il te plaît. Non, je vais bien. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas savoir qu'elle est là. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour qu'il me punisse avec une fille comme ça? Vraiment, la fille là, c'est une vraie sorcière. Evie, ça va. Elle ne parle plus. Je suis désolée, maman, de t'avoir caché la vérité. J'essayais de te protéger. Je sais. Et tu avais raison. J'aurais préféré ne pas savoir. Quoi? Je ne pouvais pas savoir qu'elle est là. Ta bouche là, hein? Laisse, maman. Je vais coudre ça moi-même. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne pourra pas faire pire qu'enfermer sa mère. Je n'en suis pas si sûre. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ouais, Ndinga, parle, c'est comment? J'ai rencontré le monsieur avec qui elle sort aujourd'hui. Il est marié. Et il s'apprête à divorcer de sa femme pour épouser Mbela. Oh Dieu! Donc elle détruit déjà les foyers des gens. Je pense qu'il faut qu'on lui parle toutes les deux. Moi j'ai une meilleure solution. Vous l'envoyez au centre Jamo à Yaoundé. Comment? Maman, je pense que si on essaye de lui parler de façon posée, elle va peut-être comprendre quelque chose. Y'a de l'amour dans l'air, y'a de l'amour dans l'air. Chérie, j'aimerais qu'on discute un peu. D'accord, je t'écoute. Tu peux déposer ton téléphone s'il te plaît? Ok. Ok, j'ai longuement mûri une décision. Je veux qu'on officialise notre relation. Tu veux quoi? Qu'on officialise notre relation, que mes parents viennent voir les tiens. Attends, ralentis un peu. Tu veux qu'on se marie et on va vivre de quoi? Vivre de quoi, comment? J'ai fini ma formation dans 2 ans. Oui, mais en attendant, on vit de quoi? Mais j'ai quand même de petites entrées. Bon, je vais te poser une question. Hein. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord? Nous sommes en train de discuter. Quand tu viens ici, que tu me regardes, comment je m'habille, les nouveaux téléphones et tout, tu penses que ça vient d'où? Ça vient d'où, comment? Tu m'avais dit que c'est Ndinga qui t'achetait tout ça, non? Je t'ai dit que c'est Ndinga et tu m'as cru. Attends. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que j'essaie de te dire, mon chou, c'est que tu n'es pas capable de prendre soin de moi. Je t'envoie 50 000 francs chaque mois, Bella, malgré la conjoncture. Donc pour toi, 50 000, c'est l'argent. Dis-moi donc, qui t'achète tout ça? Ah, mon chou, tu veux que je te fasse peut-être un dessin? Donc tu es en train de me dire que tu sois avec quelqu'un d'autre? Et moi dans tout ça?
Toi, je t'aime. Mais en attendant, il faut bien que je trouve d'autres moyens pour satisfaire mes envies. Hein? Des envies que tu ne peux pas combler. Tu sais quoi, Mbila? Je pense que je vais me retirer. Comme je suis ton mogo, il n'y a pas de problème. Va vivre ta vie avec l'homme qui te donne beaucoup d'argent. Je te donne ta liberté. Quoi? Tu es sérieux là? Tu me quittes? Il me quitte. Miracle. Bonjour à la femme la plus sublime du monde. Bonjour, bien dormi? Moi ça va. C'est toi qui es submergé de problèmes. Ah, je suis pâle. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est joli. Mais il faut que tu saches que tu ne peux pas débarquer comme ça dans mon lieu de service à toute heure. J'avais tellement envie de te voir. Oui, mais... Bon, c'est bon, j'ai compris. Comment va ta mère? Elle va mieux. Et si je vous payais un voyage toutes les deux, ce week-end? On va à Kribi, Limbé, où vous voulez, à condition que ça vous permet de vous évader et d'oublier ta sœur. Ça serait bien, mais je ne peux pas. J'ai été un peu absente au bureau ces derniers jours et il faut que je me rattrape le week-end. On peut toujours remettre ça... Même la semaine prochaine. Bon, je vais voir. Par contre, ma mère veut te rencontrer. Donc, je vais probablement t'inviter à la maison manger le week-end. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'ai hâte de la rencontrer. Enfin, officiellement. Je te confie mon semaine. Ouais. On se voit ce soir. Je ne pense pas. Comme je te l'ai dit, je suis trop surchargée. Il faut que tu partes. Je dois travailler. D'accord, princesse. Je t'appelle tout à l'heure. Ok, bonne journée. Bonne journée. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Dalida. Je suis la femme de Gando. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue vous supplier. Je suis venue vous supplier. Je suis venue vous demander pardon. Si vous voulez, je me mets à genoux. Laissez mon mari tranquille. Laissez votre mari tranquille? Je n'ai pas pris votre mari. Je sais que vous sortez avec lui. Oui, mais c'est lui qui m'a draguée. Je vous demande en tant que femme, laissez-le tranquille. Faites-le pour les enfants. Vous savez quoi? Si votre mari a commencé à regarder dehors, c'est parce que vous ne lui avez pas donné ce dont il avait besoin. Donc au lieu de venir ici pleurer chez moi, allez plutôt prendre soin de lui chez vous. Hein? Le problème, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me reproche exactement. Il ne veut plus rien entendre. Mais je sais que si vous le quittez, il va revenir à la maison.
Je gagne quoi à le quitter? Je suis bien avec lui. S'il vous plaît. Il est fatigué de vous. C'est vous qui devez le laisser tranquille. Vous devriez avoir honte. Vous avez volé mon mari. Je suis en train de vous supplier. Gando n'est pas une chaise ou un stylo qu'on va voler. C'est un homme mature, libre de ses choix et de ses actions. Hein? Donc vous pouvez toujours rester là à pleurnicher que j'ai volé votre mari. Mais moi, je vais continuer à multiplier les stratégies pour qu'il m'aime et qu'il reste avec moi. Bonne journée. Il y a quoi pour que tu viennes me déranger ici? Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai promis à Francine que j'irai voir ses parents. Et en quoi est-ce que c'est un problème? Je ne pense vraiment pas que j'ai envie de faire ça. Et mon problème dedans, c'est quoi? Il faut que tu arrêtes de me mêler à tes histoires de cœur l'air. Je suis fatiguée de ça. Ok. Pourquoi tu es fâchée contre moi? Bob, tu veux quoi? Je veux quoi comment? À ton avis. Quand tu viens tout le temps me parler de tes histoires de cœur là, tu penses que je me sens comment? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Bon monsieur ne comprend pas. Mais on s'était mis d'accord, Evie. Il n'y aura plus jamais rien entre toi et moi. Et tu penses que ça a effacé tout ce que je ressentais pour toi? Mais Evie, tu es mariée maintenant. Je ne pouvais pas imaginer que tu ressentais encore quelque chose pour moi. Tu sais quoi? Il faut que tu arrêtes de faire souffrir les enfants des gens. Parce que tu es en train de lui faire exactement la même chose que tu m'as faite. La même chose que tu as faite à celle qui était là avant et à toutes les autres. Si tu as décidé que tu ne vas plus jamais aimer une autre femme dans ta vie, à Pandinga, arrête de perdre le temps aux gens. Écoute, je suis désolée. Je ne savais pas tu que... Tu ne sais jamais rien. Tu fais quoi? Il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. Peut-être, mais moi j'ai à te dire. Comment tu as su que j'étais ici? Parce que je te connais. Bon, bref. Ta femme est venue me voir. Quoi? Elle voulait quoi? Elle est venue me traiter de voleuse de mari. Elle m'a fait toute une scène. À moins un, elle me tapait. Mon Dieu, si les voisins n'étaient pas là. Mais c'est pas croyable. D'aller taper à la tête ou quoi? En tout cas, moi, j'ai déjà peur pour ma vie. Là où elle connaît même déjà notre maison, là. Je vais lui parler. Elle ne va plus jamais te déranger. Quoi, c'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Et nous alors? L'acte de ma femme ne change rien à nos problèmes. D'accord, je suis désolée d'avoir agi avec ma mère comme je l'ai fait. Je n'aurais pas dû, je sais. Je suis désolée, hein? Ce n'est pas ça le véritable problème. C'est donc quoi alors? Si tu n'as pas compris, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on arrête de se voir. Ok, ok, d'accord. Si ça concerne le mariage, je te demande juste de me donner 3 mois. 3 mois. Si dans 3 mois, je ne te donne pas de réponse claire, tu me quittes. Et 3 mois, c'est pour faire quoi? J'ai des trucs à régler d'abord sur le plan personnel et la famille aussi. Je vais pas quand même te présenter à eux alors qu'ils se souviennent de toi comme celui qui a failli faire enfermer ma mère. Non, c'était toi, pas moi. Moi, mais ils ne vont pas comprendre ça comme ça. C'est pour ça qu'il faut laisser passer un peu de temps d'abord. En passant, j'ai rencontré ta sœur. Et je crois qu'elle ne m'aime pas. Quoi? Elle a pris ton numéro où? C'est son copain, un certain Isono. Il a pris mon numéro chez mon ami commissaire. Donc comme ça, elle a un nouveau copain. Qu'est-ce qu'elle voulait? On s'est vu ici. Et je pense qu'elle t'aime vraiment. Elle essaie juste de te protéger. Je n'ai pas besoin de sa protection. En tout cas, elle est charmante. Toi aussi, ne commence pas.
Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il n'y a pas de problème. Je suis venue à la maison chercher quelques trucs. Mais je ne parviens pas à ouvrir la porte. J'ai l'impression qu'on a changé de serrure. Qui d'autre peut faire des choses comme ça? Ce n'est qu'elle. D'accord. Je vais faire venir quelqu'un pour changer ça. Je ne pars plus. Je reste là. Mm-hmm. Tu passes me voir quand tu rentres. Oui. D'accord. Je t'attends. Je n'ai pas eu les nouvelles de Bob depuis l'autre jour là. Je l'appelle, il ne prend pas. J'ai l'impression qu'il est fâché contre moi. Ah, moi je ne sais pas. Ah, j'allais oublier. J'invite Esso à la maison ce week-end pour le présenter à la mater. Et j'aimerais que tu viennes aussi. Comme ça, vous allez une fois faire connaissance. Je n'ai pas envie de voir Bobé. Et qui? J'ai raté quelque chose. Non, ah. C'est juste comme ça. Non, Evie. Tu me gâches quelque chose. C'est juste qu'il m'énerve, c'est tout. Mais encore fait quoi, non? Je voulais... C'est justement lui. Oui, allô, c'est comment? Mais je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas pris. Je suis au restaurant avec Evie. Non, moi je rentre et elle va rentrer chez elle. Ok, il y a un problème. De toutes les façons, passe à la maison tout à l'heure, on va parler. D'accord, tout à l'heure. Vous deux là, non. Vous allez me dire ce qui se passe. Ce n'est pas la magie, ça. Il n'y a aucune magie dedans, mademoiselle. J'ai récupéré le chez moi. Ok, ma tête, tu es déjà rentrée. Pardon, ouvre-moi la porte. N'est-ce pas, tu as changé la serrure? Entre alors maintenant. Wow. Ouais, ma tête, ma clé s'est cassée dans la serrure. C'est pour ça que j'ai changé. Oui, ma part de clé s'est cassée. J'ai aussi changé. Signé Blaise Option, la pièce unique. Thank you.